La French Tech, c'est une dynamique nationale qui a été impulsée par l'État, mais qui est portée par les entrepreneurs. Et l'objectif, c'est d'aider à la croissance des startups françaises en France et à l'international. De fait, le gouvernement, vu que vous voulez avoir une ampleur nationale, a labellisé des territoires. Il y a 13 métropoles qui existent en France, de par leur dynamisme et leur écosystème de startup. Lyon en est un écosystème phare. On est organisé à Lyon en association et on aide à faire vivre cette dynamique localement, nationalement et à l'international. Alors, l'IoT pour Lyon French Tech, pour l'écosystème lyonnais, donc nous on a vraiment un leadership sur le software initialement, le logiciel c'est un maître mot lyonnais, et de plus en plus on est en développement de hardware, il y a de plus en plus de Fab Lab, de lieux d'innovation qui permettent de prototyper de l'IoT, et ça se traduit par exemple quand on va au CES de Las Vegas avec l'ensemble de l'écosystème national French Tech. Le premier CES vraiment emblématique, c'était en 2016, il y avait 8 startups lyonnaises, aujourd'hui il y en a 16 sur la dernière édition. C'est un nombre croissant et le nombre de startups françaises qui vont sur des événements emblématiques IoT ne cesse de croître. Et le CIDO, c'est un événement qui est national, qui a une portée internationale et qui a la chance de se passer à Lyon. Donc c'était évident qu'il y ait une présence French Tech, d'où le coq qu'on voit arborer dans la Startup Valley, et une présence de Lyon French Tech bien sûr, puisqu'on est l'antenne locale et que on est le porte-voix de cette dynamique.